Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce troisième épisode sur Planète Base. Hop là, je repasse mon clavier en QWERTY bien sûr. Voilà. On est reparti les gens, donc nous étions en train de faire ici une salle de contrôle ainsi que le SAS avec la première plateforme d'atterrissage. Voilà, on remet le jeu au maximum. Il faut savoir que je tourne les épisodes à la suite parce que ce jeu vient toujours de sortir et que forcément je suis à fond. Hein. Je suis à fond de chez à fond, boum la météorite. Voilà. Ça c'est juste pour vous dire que voilà, je suis à fond. Bref, je suis à fond. On peut pas être plus à fond que moi là. Voilà. Alors au niveau de l'oxygène, ça commence à se tarir en boue. On va refaire un générateur d'oxygène ici par la suite. Mais d'abord on va attendre qu'il fasse tout ça. Parce que j'ai peur qu'il n'y arrive pas, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça va être bon. Il manque de l'amidon en fait, il leur manque des bioplastiques. Bon, ça devrait le faire. Hein. Voilà, le centre de sécurité, donc connecté naturellement donc, au générateur d'oxygène. Good. Directement ici, donc on va faire un terminal de sécurité. Bon, d'abord on va attendre qu'il fasse le petit couloir. Voilà, en termes d'électricité, donc quand il y a du soleil, ça va, mais quand il n'y en a pas, ça va pas, c'est moins bien. Bon, en termes de nourriture, pour l'instant, c'est franchement cool. On va installer une deuxième machine, je pense. Ça me coûterait quoi d'installer une deuxième plastique? Un de bioplastique, hein. Allez, on va installer une deuxième machine. Parce qu'il faut être vraiment très prévoyant. Je peux pas relier ces deux-là, non. Lui avec lui, je peux pas le relier non plus, non. Ok. Allez, faites-moi le sas là-bas vite fait, les gars. Comme ça, je pourrais démolir celui-là. Très bien, ils ont refait le deuxième distributeur de repas. Comme ça, ce stock-là va rapidement être amené ici. Vous voyez, boum, 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 boum. Alors, on a qu'un seul des bioplastiques et c'est ce qu'ils attendent. Bah non, il a le seul bioplastique, donc non. Voilà, on en a fait un deuxième, voilà, c'est good. Allez les gars, allez. Ouh, elle est pas tombée loin, celle-là. Bref, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, ça y est, ça c'est terminé. C'est good, on a le sas, donc ça, ciao. Ouais. Voilà. On a le sas nouveau qui est arrivé, c'est good, donc ici c'est bon. Alors maintenant, donc, on va faire le terminal de sécurité. On va le placer ici. Avec un arsenal. Ici et même un deuxième terminal de sécurité parce que YOLO ici, voilà. Et bien avant qu'ils aient fini tout ça, moi je vous le dis, on a le temps. On a vraiment le temps. Ah ouais non, là l'usine là ici elle fonctionne plein pot hein. Elle fonctionne plein fer hein. On va leur en faire une deuxième usine d'ailleurs. Encore une fois, c'est pas passé bien loin, hein. Moi, je veux dire, il n'y a pas de respect, c'est vraiment pas passé loin. Hop là, voilà, fonderie de métal de fait, la deuxième. Comme ça, ils vont pouvoir directement l'alimenter en métal. Et elle a priorité naturellement. Alors, il va falloir bientôt une usine à pièces détachées. Ça va s'avérer même indispensable. Mais avant, j'aimerais qu'ils me finissent d'abord... la petite plateforme d'atterrissage ici, s'il vous plaît. Parce que j'en ai besoin pour accueillir à nouveau des colons. Et que sinon, je vais être dans la mouise. La plus totale. Donc j'aimerais que vous vous dépêchiez un tout petit peu de me la faire, s'il vous plaît, ce petit bout de métal là qui manque. Ah, voilà. 100%. Hop là, toi tu vas directement là-bas, voilà. Ah non, tu veux faire l'armurerie d'abord? Bon, d'accord, fais l'armurerie d'abord.
Ah, et puis ça aussi, ça me faisait de métal. Ah. Bon, bah, je suis pas prêt de l'avoir, apparemment. Heureusement, avec deux producteurs ici, ça va aller plus vite, la production. Surtout qu'on a du stock au niveau minerai. Ça, c'est bon. C'est parfait, on a un terminal de sécurité, donc avec un deux gardes. C'est parfait. Les pièces détachées commencent à se raréfier également. Très bien. Et la quatrième qui va aller là-bas, j'espère. Eh, elle est belle notre petite base, n'empêche, l'air de rien. Moi je la trouve magnifique. Moi je la trouve absolument magnifique. Dire ce qui est, je la trouve magnifique. Voilà. Non mais voilà, 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 voilà. C'est parfait. Boum. La table de l'atterrissage est finie. On est bien là. On est super bien là. Bon, maintenant. Ce qu'il nous faut donc. Alors. C'est une fabrique. Hein. Mais avant ça, j'ai peur qu'on soit un petit peu en manque d'oxygène, donc on va se faire un générateur d'O2. Immense naturellement. Et on va le faire ici. Avec une connexion ici, et une connexion également qui va être ici. Par la suite, hein, juste après, hein, je veux dire, là pour l'instant il n'y a pas de respect, on est en train de faire tout ça. C'est cool que ce soit les robots qui amènent les ressources. Attends, il y a un petit humain aussi qui traîne. Bon, on va très vite maintenant manquer de monde, donc on va se remettre à accueillir des colons uniquement. En effet, la réserve d'électricité est plutôt faible là, les gars. C'est même inquiétant. En effet, c'est critique. Ça y est, ça remonte. Phew! Mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. On va faire ça. Et après, on va faire à nouveau à panneaux solaires, éoliennes et à accumulateurs. Mais c'est pas fini de tomber là, ouais. Ah mais ils me font peur chaque fois. D'abord on attend que ça soit bâti. C'est good. Et c'est good, c'est très bien. Voilà, comme ça on a à nouveau de l'oxygène dans la base, de l'oxygène frais. Oh, bonjour les colons. Alors, on va donc se faire en premier lieu un deuxième accumulateur, grande taille. Alors, au plus proche, alors qu'est-ce que ça donne là? Ok, ça donne ici. Donc un accumulateur grande taille ici. Avec un grand panneau solaire ce coup-ci, juste après. Nickel, il rentre là. Il rentre là et ça c'est génial. Ça fait dire que ça va me permettre d'accéder à ici si j'en ai besoin. Au cas où que cette grande zone là ne suffise pas. Quoique elle est grande la zone, elle est très grande la zone quand même. Bah mais elle rejoint là aussi, bref. On verra. On verra, pour l'instant on a besoin de ça rapidement. Oh il a fait la connexion, il revient lui. Oi 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 oi. On va essayer d'économiser l'électricité un petit peu les gars là parce que... Je veux dire pour l'instant il n'y a pas de respect, ça part vraiment trop vite. On en est où dans la nuit là? Oh oui, on est très loin en plus, très très loin. Ça on en a impérativement besoin. Alors on a un nouveau colon, qui c'est qui est arrivé? Il est où? C'est lui? Non. Je vais pas demander le médecin.
Et là, c'est la crise, les gars, c'est la crise, c'est la crisasse. On va passer le jeu en accéléré. L'éolienne arrive à faire tourner le réfectoire. Vivement que le jour se lève. Le vent, il est comment là? Il est en train de forcir, c'est good. Mais alors, ça suffit pas pour l'instant. Hein. Ça y est, le jour est là. Ok. Ok. Bien, donc on restocke de l'énergie, c'est good. Mais il faut absolument que j'améliore ça. Donc vite fait, un accumulateur et un truc là. Il me les faut ardemment. Ça, pour l'instant, on l'a désactivé. Ça, on l'a désactivé pour le moment. Tant qu'on n'a pas de blessé, on n'en a pas besoin. La mine, on va la réactiver. On a un petit colon qui arrive. Alors qu'est-ce que c'est? Deux ouvriers je dirais et un biologiste. C'est good. On en est où là au terme de statistiques là? On a beaucoup de biologistes, on a peu d'ingénieurs. Donc on va changer la donne un petit peu. Voilà. On va mettre ça les gardes à 10%. Voilà, 40, 40, 10, 10. Quoi, quand même 5. Voilà, 45, 40, 5, 10. Même c'est mieux comme ça. Même 0%, mais ça on en a pas besoin, clairement. Voilà. Bon, là-bas ça remonte. Ici, là, ça en est où là? L'accumulateur grande taille, les gars, faudrait aller le construire ardemment. Voilà. C'est good, on a un deuxième accu en espérant que la journée soit encore longue. Ouais. C'est long mais c'est pas encore ça. Et puis là maintenant il nous faut un paquet de fer donc on n'a pas assez. On a clairement pas assez de fer. Heureusement que l'éolienne tourne parce que sans elle, sans déconner, on pourrait pas mettre d'électricité de côté. Donc on va également autoriser les marchands, en espérant que je puisse leur acheter des barres de métal rapidement. Le soleil se lève et le deuxième accu n'a même pas commencé à charger quoi, on est dans la mouise la plus totale. On est dans la mouise, on est dans la mouise, on est dans la mouise, j'ai pas fait de fabrique pour avoir les pièces détachées non plus. Ah oui, le vent qui faiblit. Bon, c'est la crise les gars, c'est la crise, c'est la crise. C'est quoi ça? Un garde, très bien. Ton désactive également. On va en désactiver un histoire d'économiser l'électricité. On a du stockage d'eau pour ça. Ça tombe encore trop vite, beaucoup trop vite. La mine, on va désactiver. Voilà. On passe en économie d'énergie, les gars, là. Clairement, on passe en économie d'énergie. Je sais, les gars, je sais. Et on est loin de la nuit. Non, on n'est pas loin de la nuit, ça va. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Il en a encore 4, il m'en faudrait 3 autres. On a presque réussi. On a presque réussi, je dis bien presque. C'était pas loin, c'était pas loin, c'était pas loin les gars. Et une tempête de sable. A mon avis, on va avoir des blessés, donc on va réactiver l'infirmerie.
Du coup, le panneau solaire il capte que dalle. Allez, on va faire passer le jeu vite. Allez les gars, allez, on peut le faire. Bon, la tempête de sable, ça suffit là. Cocotte, ça suffit, j'ai dit. Stop, arrête-toi. Arrête-toi, bon sang de bonsoir, mais arrête-toi. Pas encore, hein. Si, ça y est. Voilà. Combien de la journée est passée? La moitié de la journée est passée, ça sera jamais suffisant pour ça. Quatre, cinq, six, il en manque un. On l'a, il est là. Allez les gars, dépêchez-vous d'aller me bâtir ça là-bas s'il vous plaît. On est à fond en vitesse là, on est à fond en vitesse. La dernière est là. Bon, mais tant pis, ça sera pour demain parce que là, cette nuit, on va souffrir. On a un malade en plus de ça, donc c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Bon, heureusement, on a des médicaments. Il nous reste plus que deux médicaments. Oh, yo, 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 yo. Ah, il y en a qui se sont blessés du coup. Le stock de médicaments est faible, les gens, c'est la crise. Structure terminée, panneau solaire, bah il était temps. Ressources épuisées, médicaments, ça jamais. Ça n'était pas tant, ça je veux dire ça. Alors on va faire ça ici. J'arrive à pouvoir le raccorder aux 3, merci. Aux deux, aux ces deux là, ouais. Non, plutôt ces deux là. Un petit, ça suffira amplement pour faire les médicaments. Tout est toujours relié à l'entrepôt par contre, il va falloir que je fasse gaffe. Je tire un petit peu trop je pense sur ce réservoir d'oxygène là. Alors l'énergie. Ça consomme rien. Ça produit rien. Ouais. On va faire des coupes préventives, les gars. Voilà. On met un petit peu la station dans le noir, mais là, je veux dire, l'énergie, sinon, elle part beaucoup trop vite. Ça devrait le faire. Logiquement, ça devrait le faire. C'est bon, l'éolienne seule arrive à générer de l'énergie. Hop là. C'est bon, c'est good. Avec les deux panneaux solaires, ça va aller à une vitesse folle parce que lui il fait 80 d'électricité quand même. Allez, c'est good, on va pouvoir tout rétablir. Voilà. Ouais, je sais que les médicaments sont épuisés, mais regardez, ici c'est en cours de construction, d'accord les gars, ça va être construit. Fais-moi ça aussi, s'il te plaît, en même temps là, parce que sinon je suis bloqué. Voilà. Et toi, ta priorité. Il nous faut des médocs. Alors en termes de toubib on en est où? On a 2 médecins, 2 gardes, 5 ingénieurs, 7 bio, 12 ok. On est bon, enfin on est plutôt bon, on est plutôt même bon, je suis surpris de réussir aussi bien. Alors maintenant l'ennui ça va être des pièces détachées. Donc il nous faut absolument une fabrique. On va la faire ici. Quoique là-bas on pourra rien faire d'autre en fait. Donc je me méfie. Ici, derrière la fabrique, on pourra faire d'autres trucs. Voilà.
plutôt à relier à ici. Et là vous allez me faire des raccordements. Mais après d'abord on fait la fabrique les gars. Ouais mais vous inquiétez pas, on est en train d'en créer des médicaments. On est en train d'en créer, on est en train d'en faire, on est en train d'en faire. D'accord, ils sont en train de bosser dessus les mecs. Des coulounous. C'est quoi qui arrive? Pas pu voir. Un garde. Ok, on a un petit peu trop de gardes les gars là. On est à 3 gardes, on va passer ça à 0%. Ça devrait suffire. On va plutôt chercher un médecin en plus maintenant. À 15%. Même à... Ouais, à 15%. Et 45% ici, voilà. Ah mais zut toi. Voilà. Ok. Ok, comme ça on est bon. Je sais que les ressources sont épuisantes, Médoc, mais vous inquiétez pas, on est en train d'en créer. Ils sont en train d'en faire, ils sont en train d'en faire. Ça va arriver, tout vient à point qui sait attendre. Très bien, on a une fabrique maintenant. Voilà. Alors, il nous faut absolument des pièces détachées dans tous les cas. Donc, pièces détachées. Fonderie de silicium. Et... armurerie. Voilà. Un de chaque devrait amplement suffire. Alors, on va aller régler les seuils de fabrication. Alors, pièces détachées, on va en faire... 20. Semi-conducteur, on va s'arrêter à... 10. Et armes, on va s'arrêter à 10. Voilà. Robot infini, ça va très bien. Médicaments infinis, ça va très bien. Voilà. Encore des colons. On a un médecin, c'est good. Et un ingénieur, c'est very good. C'est very very good. Très bien, il y en a un qui est soigné. L'autre, ça va pas tarder parce que le médoc, il est là, il est en cours de transit. Ah, ils arrêtent pas de se blesser. Très bien. Et l'armurerie, ça prend ça, d'accord. Alors, en termes d'énergie, on est bon. Ouais, ressources épuisées, pièces détachées, je sais, les gars, je sais. Vous inquiétez pas, je suis sur le coup, d'accord ? Je suis dessus. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose. Je vous l'accorde. Mais je suis dessus, je suis dessus. C'est parfait. Et on va donner priorité. Parce que là, clairement, on en a besoin. Je sais. Ah, vous calmez-vous, bon sang de bonsoir. Des colons, qu'est-ce qui nous arrive ? Deux médecins, les gars. Ah, les médecins, j'ai mis 15%, c'était trop, d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. Comme ça, ça va mieux parce que là, 5 médecins, merci, mais on en a un petit peu trop maintenant. Et ça, on va laisser la priorité pour l'instant. Quoique les médocs, je vais aussi les restreindre à 20 médocs. Pour l'instant. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de respect. On est bon. On est très très bon. On est très 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 bon. Ok. Bon, maintenant, on va attendre qu'ils produisent un petit peu davantage de trucs, là, parce que sinon, on est un petit peu mal, je remarque, en bioplastique, etc. Ah. Un vaisseau marchand. Qu'est-ce qu'il nous vend? Il a du fric, ça tombe bien. Je décarotte en trop. Alors... voilà, je veux 125. 124. Pour 125. Ça me va. J'aimerais bien l'acheter, j'ai acheté ça. Ça coûte combien ça? Ah, ça fait chaud quand même. Mais bon, ça va. Allez, on est d'accord, on commerce. Je veux de l'argent, ça tombe bien. Ah, mais t'as encore de l'argent toi?
Voilà. Ok. Là, vous allez voir, ils vont tous se mettre à attrouper les marchandises. Pour les amener, on est en vitesse maxi, ouais. Non, parce qu'on a un entrepôt qui dégueule de bouffe. D'accord, les légumes, on en produit, mais grave suffisamment. Hein, on est d'accord. Donc, autant en profiter. Moi, je dis autant en profiter, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je dis autant en profiter. L'amidon, on en a masse aussi. Du coup, on va faire une deuxième machine ici à amidon. Voilà. C'est good. Le transfo est fini, les ouvriers y bossent. Ici les ingés bossent. Bientôt on va avoir des armes pour nos petits gardounets. Pas encore, hein. Il faut d'abord faire du silicium. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors maintenant je veux que ça se relie à ça. Et que ça se relie à ça. Voilà. Et ça, on va te remettre une table à médicaments, du coup. Ici. Alerte jaune, les gars. D'accord, on a une alerte jaune, hein, vite fait. Voilà. Oh merde, elle a la ressource en attente, quoi. Ok, on a plus assez de minerais maintenant, clairement. C'est fini ? Pas d'alerte, c'est terminé on dirait. Ouais, c'est terminé. Vite fait, vous lui apportez ça s'il vous plaît là-bas. Merci, comme ça on a nos premiers sesterces. Lui il est en train de me faire une arme, c'est good. Voilà, des colons qui arrivent dans la foulée. Alors c'est quoi qui arrive? Un ingénieur et un ouvrier. Ok. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça c'est ce qu'on appelle un système en étoile en fait, hein, les gens. Pour info, c'est ce que je voulais faire. Je suis sur un super spot, je suis bien content de pouvoir le faire et de pouvoir vous le montrer. Ainsi cette pièce là ne devient plus indispensable. Et après il faudra encore que je fasse une connexion là-bas. J'aimerais plus de mineurs, s'il vous plaît. Un vaisseau marchand, on va voir ce qu'il nous propose. Wouhou! Brevet de robot constructeur, ça m'intéresserait grandement. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui refiler? ?65%, va-t'en. Bon, ici c'est bon, c'est fait. Ici ça va être fait aussi. Du coup, on remonte en médicaments. Vous voyez, le stock s'est vidé grandement. C'est cool, comme ça, ça les oblige un petit peu à se réoccuper un petit peu des plantes là, parce que YOLO. Alors, en termes de stats, on a combien en population? Nous sommes à 35 habitants, les gens. 35 habitants. Et je trouve que c'est plutôt très très bien. Que c'est même très 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 bien. Hop là, encore des nouveaux habitants. Alors c'est quoi? Un ingénieur et un ouvrier. Le bleu c'est l'ouvrier logiquement. C'est bien ça. Bah c'est cool. Moi je trouve que c'est super cool. Franchement c'est top. Hop là. On enregistre.
hop, on met en pause. Et donc, les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Naturellement, n'hésitez pas à laisser plein de pouces verts, plein de commentaires, plein de pouces pas verts également, si vous le souhaitez, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très 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 bientôt pour le prochain épisode de ce jeu que j'adore. Allez, je vous remercie et je vous dis ciao ciao, les gens.